Salam alaikum, hello, hola, je te souhaite la bienvenue, marhaba bik, dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui, on va voir ensemble 5 phrases sur le thème de l'automne qui reprennent les mots de vocabulaire sur ce thème qu'on va voir ensemble au cours du mois dans la Darija Story d'Instagram et également qu'on reverra ensemble en fin de mois sur la chaîne YouTube. A tout de suite. Cinq phrases en arabe marocain déjà sur le thème de l'automne, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Le but de voir ces phrases, c'est que tu puisses revoir ou apprendre certains mots de vocabulaire, tu puisses t'habituer également à la structure des phrases en déjà et que tu puisses aussi habituer ton oreille à cette langue, notamment si tu n'as pas l'habitude de l'entendre autour de toi. Donc c'est parti. Alors la phrase numéro 1, c'est le khrif bda nhar 23 fi shahr tsoud ou bien nhar 23 septembre. L'ouraq kitahu min shajar. Je reprends la phrase. L'khrif bda nhar 23 fi shahr tsoud. L'ouraq kitahu min shajar. Traduction. L'khrif, c'est l'automne. Bda, il a commencé. C'est-à-dire le khrif bda, l'automne a commencé. Nhar 23. Nhar 23, c'est-à-dire le jour 23. Donc c'est ce que je vais t'expliquer tout de suite. Nhar 23, le jour 23. Fishhar tsoud. Fishhar tsoud, dans le mois 9. Dans le mois 9. Ou bien, à la place de Fishhar Tsoud, tu peux dire septembre. Donc c'est-à-dire qu'en Darija, quand on veut donner la date, souvent on dit le jour un tel, avec le numéro du jour, du mois, dans le mois un tel, avec le numéro du mois. Donc si tu ne connais pas encore les chiffres en Darija, je t'invite à revoir mon cours sur les chiffres de 0 à 100 en Darija que j'avais donné il y a quelques mois. Donc en général, c'est comme ça qu'on fait en Darija, mais parfois, on utilise aussi les mots des mois tels qu'on les donne généralement en arabe. Donc par exemple, pour septembre, on peut dire septembre. Après octobre, ça sera octobre. Bon, voilà. L'ouraq kitahu. Alors l'ouraq, c'est les feuilles. Kitahu, elles tombent. Elles tombent. L'ouraq kitahu, les feuilles tombent. Min shajar. Min shajar, des arbres. D'accord? Donc je reprends la phrase à allure normale. L'khrif bda nhar 23 fi shahr tsoud. L'ouraq kitahu min shajar. Ensuite, la phrase numéro 2. Kan lbes sbat ou l'jaketa diali hit kain l'berd. Kan lbes sbat ou l'jaketa ديالي حيت كاين البرد. كنلبس je mets, je m'habille, je mets. كنلبس صبات, صبات c'est mes chaussures. Enfin, صبات les chaussures. صباتي c'est mes chaussures. Donc là c'est plutôt les chaussures. Ou, c'est-à-dire et ou الجاكيتا. Jaqueta, c'est la veste. Jaqueta. Dieli. Dieli, c'est-à-dire à moi. Donc, sbat ou jaqueta dieli, c'est-à-dire mes chaussures et ma veste. Hit. Hit, c'est parce que. Hit. Kain. Kain, il y a. Il y a. Lbird. Lbird, le froid. Le froid. Donc je reprends la phrase à allure normale. Kan lbes sbat ou l'jaketa diali hit kain lbird. Je mets mes chaussures et ma veste parce qu'il fait froid. Kain lbird, il fait froid. Phrase numéro 3. Atini
المضل عفك كاينة الشتا برا عطيني المضل عفك كاينة الشتا برا عطيني ça veut dire donne-moi عطيني donne-moi المضل المضل c'est-à-dire le parapluie عفك عفك c'est s'il te plaît s'il te plaît كاينه donc il y a mais là c'est au féminin كاينه il y a شتا شتا c'est la pluie شتا la pluie برا برا c'est-à-dire dehors dehors برا donc je reprends la phrase عطيني المضل عفك كاينه شتا برا donne-moi le parapluie s'il te plaît il y a de la pluie dehors donc en gros il pleut dehors phrase numéro 4 phrase numéro 4 salit tahmil ديال الدار صبنت الزربيه الكواش و السدادر ساليت تخميل ديال الدار صبنت الزربيه الكواش و السدادر ساليت ça veut dire j'ai fini ساليت j'ai fini ساليت تخميل تخميل تا خميل C'est le ménage de printemps, le grand ménage. D'accord ? Diel, ça veut dire deux. Diel, deux. Dar, dar, c'est la maison. Sabbant, sabbant, ça veut dire j'ai lavé. Sabbant, j'ai lavé. Zerbia, zerbia, c'est le tapis. Le kouesh, c'est les couvertures. Ou, c'est-à-dire et. Sdedar, sdedar, c'est les canapés marocains. Sdedar, les canapés marocains. Donc je reprends la phrase. Salit tchmil djel dar, sabbant zerbia, le kouesh ou sdedar. J'ai terminé le grand ménage de la maison. J'ai lavé le tapis, les couvertures et les canapés marocains. Et enfin, la dernière et cinquième phrase. Rani mrida fi arwah. Jiblia dwa min sidalia. La yerhem l'walidin. Rani mrida fi arwah. Jiblia dwa min sidalia. La yerhem l'walidin. Rani mrida, ça veut dire je suis malade pour une femme. Rani mrida. Je suis malade. Si c'est un homme, il va dire Rani Marid. Rani Marid. Fia Rouah. Fia Rouah, ça veut dire j'ai le rhume, je suis enrhumée. Donc autant pour une femme qu'un homme. Fia Rouah, j'ai le rhume, je suis enrhumée. Jiblia. Jiblia, c'est-à-dire ramène-moi. Ramène-moi, et là on s'adresse à un homme, parce qu'on dit jib. Si on s'adressait à une femme, on lui dirait Jibi, Jibi, Jibilia. Donc là, c'est Jiblia, ramène-moi. Donc on s'adresse à un homme. Doa, doa, c'est les médicaments, le médicament, les médicaments. Enfin, le médicament, mais on sous-entend les médicaments. Mais on peut dire aussi, quand c'est le pluriel, doyette. Doyette. Mais quand on dit doa, c'est le ou bien les médicaments. Mine, deux, deux. Sidalia, Sidalia, c'est la pharmacie. Min Sidalia, de la pharmacie. Allah yerham l'walidine. Allah yerham l'walidine. Textuellement, ça veut dire que Dieu fasse miséricorde à tes parents. Mais au Maroc, c'est une manière de dire merci. Allah yerham l'walidine. Donc en gros, c'est merci. D'accord ? Donc voilà, je t'invite à bien bien réécouter ces phrases et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où on verra d'autres phrases qui vont certainement beaucoup t'intéresser. Allez, je te dis à très très bientôt, prends bien soin de toi. Pslama, bye bye !